Bonjour à tous, bah écoutez, comme vous voyez, je suis assez occupé. Hein. Bon, c'était le moment de la pause. Ah, voilà, je prends mon petit café, un petit cappuccino, hein, pour être très précis. Donc, attendez, je pose ça. La voiture est assez chargée. Hein. C'est la nouvelle décoration. Donc, je vais être aidé. Voilà. Pour ceux qui connaissent bah, les studios AB, hein, qui ont connu, hein, notamment le Club Dorothée. Et bah, Dorothée, forcément, Corbier, tous les musclés, toute la bande. Je me suis dit, Cédric, écoute, il faut que tu changes de cadre. Hein. Les vidéos dans la voiture, c'est plus possible. Donc, voilà. Donc on va m'aider. Et il va y avoir une décoration assez, assez marbrée. Hein. Voilà. Donc, bon, ça, c'est de l'albâtre, hein, voilà. Qui est étonnamment très sous-coté. Voilà. Ça coûte une misère. C'est la même chose, mais ça coûte une misère. Eh bien, écoutez, j'ai même une petite soupière. Hein. Je vous montre. Voilà, faut que je fasse du tri. Hein. Il y a de tout. Hein. Donc ça c'est tout ce qui va servir à la nouvelle Web TV hein, qui va être lancée courant septembre. Bah, comme je vous disais, en fait, pour ceux qui me suivent vraiment pour ceux qui me suivent au radar, hein, avec précision. Alors c'est vrai que je me fais peut-être un peu moins présent sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que ouais, je vous dis, je suis très très occupé. Je ne vais pas reprendre de vacances. Hein, tout simplement, même en prendre. Parce que j'ai voilà, j'ai des imprévus, des choses. Enfin, imprévus. Rien n'est jamais vraiment imprévu hein, dans ce pays. Hein, voilà. Donc voilà, donc je vais avoir là, je vais être occupé pendant à peu près une semaine, hein, certaines choses à remettre en forme. Maintenant, bah, il va y avoir, comme je vous dis, voilà, il va y avoir, ça va être en fait une web TV, mais qui va complètement vous rappeler l'environnement des studios, comme je disais, du Club Dorothée. Donc il va y avoir une décoration par endroit. Voilà, donc ce ne sont pas mes objets, ce n'est pas chez moi, c'est un prêt ultra momentané. Hein, voilà, donc histoire que je rentre, ou soit je vais tourner tous mes épisodes d'un coup, sur une très très courte période, soit je vais voir, enfin voilà, bon. Eh ben écoutez, et de toute façon je vais être amené à bouger. Hein, voilà, donc je vais être amené à bouger. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors c'est vrai que je voulais arrêter de faire des vidéos. Avec moi, il y a soit des vidéos qui sont totalement imprévues, qui sont vraiment ultra spontanées sur une situation, sur quelque chose comme une boulangerie, voilà, enfin tout à l'heure, qui était censé dire. Voilà, moi je me nourris de la connerie humaine. Hein, voilà, bon, ça c'est, je pense que vous avez compris. C'est en même temps, enfin, c'est quelque chose qui s'offre à vous, donc vous pouvez pas refuser de croquer dedans. Hein, ce serait dommage. Non, moi de toute façon, je pense que j'aurai un. Ouais, on me rendra grâce dans 70 ans. Voilà, j'ai la date. Donc je vais dire, là avec l'augmentation, c'est avec les augmentations physiques, là tout ce qu'ils essayent de faire sur le corps humain, etc. Imaginons que je vive jusqu'à 100, 120 ans. Jusqu'à 120 ans, oh putain, je sais pas si ça me ferait plaisir. Ouais, je pense que voilà. Moi, ce qui m'arrangerait, je vous dis, c'est de mourir, mais juste après le secret défense, donc de la crise du Covid, ouais, 70 ans. Donc, bon, je vais pas attendre jusque-là, mais ça m'arrangerait de mourir juste un peu après, qu'on me rende grâce à ce moment-là. Ouais, donc, bon, évidemment, on va tout sortir en attendant. Mais à ce moment-là, je pense vraiment qu'on pourra se dire qu'effectivement j'avais raison sur beaucoup de choses. Et puis c'est tout. Hein, voilà. Alors je sais pas dans quel état sera le pays dans 70 ans. Je vous avoue que là c'est grave, ce sera à nos progénitures hein, voilà, ce sera à eux de gérer. Hein, là, sincèrement, moi je serai pro manette. Hein, je crois pas. Bon alors voilà, donc ça j'ai fait le tour par rapport à ce qui s'annonce. Donc moins de vidéos. De toute façon ce sera toujours spontané, mais ce sera ultra travaillé, je veux dire il n'y aura pas de blanc quoi. Enfin, chaque mot sera pesé, chaque mot sera.
Si j'en avais fait un petit peu comme ça, et puis le fameux fond vert qui était avant vue Brizol, hein, parce que mine de rien, le fond vert il a été repeint, comme par hasard. Donc le sens du vent était vraiment mais pile poil sur là où j'enregistrais, quoi. Enfin, bizarre, bizarre, ça fait partie des hasards. Hein. Alors, vous vous doutez bien, enfin, j'en ai pas beaucoup parlé de ce moment. Mais que l'air était. Je vous ferai un résumé là-dessus. Hein, avec, de toute façon, je vous dis, j'ai 10 ans de 10 ans de disque dur à mettre sur Internet. Donc, l'air était à ce moment vraiment irrespirable. C'était un aquarium, hein, ni plus ni moins, donc il fallait partir. Voilà, donc il va y avoir des choses heureuses, des choses un peu moins. Je vais toujours essayer de faire donc avec de la précision. Maintenant, comme je vous ai dit, en fait, j'attends. Là, je vais bosser pendant 2 semaines afin de préparer donc mon appel, hein, voilà, avec tous des nouveaux éléments. Alors, je peux pas en dire plus, mais j'ai un certain sourire qui fait que je m'inquiète pas du tout. Voilà. Je peux pas en dire plus. Mais je suis soutenu, hein, heureusement. Voilà. On me parle beaucoup de la justice. Hein. Là, j'en discute avec des avocats, avec des gens qui sont vraiment dans le sérum, qui sont vraiment dans les manifestations, dans tous ces trucs-là, dans les recours juridiques, etc. Voilà. Je crois que la justice de ce pays, il lui reste vraiment de quoi évoluer. Hein. Mais il y a une marge qui est vraiment absolument considérable. J'ai failli faire un lapsus, j'ai failli dire confisqué. C'est une justice qui est confisquée. Mais vous ne connaissez pas trop le prix pour être déconfisqué. Je crois que le prix, ça doit être de partager en permanence la place avec peut-être un ou une des personnes, je peux pas les nommer, quoi. Hein, Donc voilà, bah écoutez, moi de toute façon, je vous ai dit, c'était quoi, c'était sur Twitter, que j'avais pas spécialement grand chose à rajouter là-dessus. Hein. Tout va être résumé, tout va être de toute façon répondu, mis au point. Maintenant, je m'adresse, moi, enfin là, j'ai fait un tour de Rouen pendant à peu près 2-3 jours. Donc j'ai discuté avec beaucoup de commerçants, j'ai discuté avec des gens dans la rue, j'ai discuté avec. Le soutien est extrêmement fort. En 3 minutes, j'ai convaincu une personne. 2-3 minutes. Voilà. J'ai pris mon téléphone, je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit, écoute, voilà ce qui se passe. Ils me font au chantage. Et les gens m'ont dit vraiment très directement, ils ont compris, ouais, ils sont dupes de rien. Voilà. Là, ils ne seront plus manipulés par la peur. Voilà, c'est certain que ça ne marche plus tout ça. Voilà. Vous avez été beaucoup trop loin. Et bien voilà. Voilà, tout simplement, donc c'est une des dernières vidéos sur cette Web TV. Comme je vous disais, il va y en avoir plusieurs. Donc il va y en avoir une où je remets des vidéos d'internet, enfin pas forcément de moi, mais donc les personnes concernées auront. Personnes concernées auront. Ils ont le corona, mais le corona d'autres personnes, quoi. Ils sont tombés sur un autre virus, quoi. Voilà. Donc ça va, ils sont bien portants, ça va. Donc voilà, donc ils vont avoir leur petit accès. Comme je dis, bah écoutez, moi ça va être sur autre chose. Et puis c'est tout. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.